engagement qui prend déjà ce projet dans l'ensemble de communes de la République, compte tenu du fait que depuis 30 septembre, c'est la fini. Donc nous entendons sous principe ça que le projet a continué avec un bémol que seulement les projets qui ont été déposés par les mairies seront exécutés. Les projets qui n'ont pas été déposés par les mairies seront réévalués. Ils ont proposé avec les députés pour gagner l'autre rencontre qui fait sous lui qu'à joindre une solution définitive. Mais ça, c'est la position de la FENAB, la proposition de la FENAB sous exercice 17-18 là. Et il y a une discussion qui peut l'engager pour que pour l'exercice 18-19 là, justement, le problème ça résout de manière définitive, que les clairement dit que font ça, ils délogent, ils délocalisent, ils veulent le ministère intérieur. Il n'est pas possible pour un fonds de développement, eh bien, les politiser. Si on a fait République, nous, le pays a changé, un fonds pas qu'à assigner au développement de la République et que la politiser. Que ce soit pas député ou pas sénateur, pas magistrat ou pas une fonction là-dedans ou pas entre là-dedans. C'est ça que nous disons au niveau fédération. Hein? Nous croyons que comme démocrate, l'institutionnel est indispensable. Solution, ça, c'est eux-mêmes comme magistrat, nous besoin, député, besoin, sénateur, besoin, ministre, besoin, président, ministre, besoin. Mais nous mise en garde pour nous dire, monsieur, attention, chaque entité qui fonctionne par eux. Que chaque monde doit jouer un rôle par eux. Vous êtes parlementaire, vous fonctionnez pour. Pour jouer, bon rôle pour jouer. Ou c'est maire, bon rôle pour jouer. Ou c'est président, bon rôle pour jouer. Ou c'est case, bon rôle pour jouer. C'est pas que c'est difficile. Nous avons une solution définitive, je dis. Mais discussion, nous reconnaître que c'est fructueuse. Et il y a un dénouement plus ou moins acceptable, je dis. Et il y a un compte mal fait entre le conseil exécutif, finalement, les 10 présidents et concernés, ministres, ministres, pour nous joindre une solution rapide. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que avec sérénité, dans le respect de la loi, pour ne pas gagner démagogie. Ça fait nous bien contents que le sénateur Frosner et le sénateur Sauvel te prennent leadership question que tu invité nous. Nous saluons les députés qui étaient là effectivement, députés de l'Ouest en particulier, excusez député Gagné, qui effectivement montrent la réalité. Je rappelle que chaque négation dans la section communale, dans la commune, n'a pas tenu un jour quand même. Si le départ fini, n'a perdu. Nous avons une fierté pour ça. Donc nous engageons des débats pour effectivement magistrat jouer au rôle comme agent de développement avec Kazekyo. Mais cette question de fonds communaux, ce n'est pas maire la signale qui veut la planification. Eh bien, nous disons ça. Il n'y a pas qu'à recevoir, et c'est mairie, mais député sénateur magistrat qui est pour entrer là. Et nous confirmer qu'effectivement, rencontre ça, fait jeudi à un souci pour que nous soyons capables de jouer une solution par rapport avec différents problèmes qui posaient et par rapport avec conflits qui posaient entre le ministère de la Planification et FENAM. Et nous-mêmes, ça que nous-mêmes avons confirmé, nous confirmons que tout projet, côté qui gagne harmonisation entre les élus, donc nous bien préciser harmonisation entre élus pour que le processus avance. Donc nous d'accord avec proposition, il y a un ensemble de propositions qui faites par rapport avec exercice 17-18 qui va venir là et éventuellement 18-19. Et que là, nous allons gagner. Donc nous-mêmes en tant que commission. Et au niveau de la Chambre des députés, il y a travaillé en étroite collaboration avec l'autre acteur concerné. Et que nous-mêmes, nous avons fait des propositions et nous avons transféré à l'Assemblée, côté que nous la donnons, de telle sorte que nous sommes capables de sortir avec une solution conjointe qui a renforcé différentes collectivités territoriales dans le pays d'Haïti. De la vallée de l'Antibonite. Côté que des planteurs et avec des pétitions ont été voyées au niveau de la Chambre des députés, et bien pour que nous soyons capables de regarder, de fournir, de regarder ce qui a passé. Et la commission de fournition au niveau de la vallée de l'Artibonite, côté que nous rencontrons les planteurs, nous rencontrons les cadres de l'ODVA, nous rencontrons les directeurs de recherche, nous rencontrons aussi les coopératives agricoles, nous rencontrons des associations irrigantes. Il y a trois problèmes qui étaient soulevés. Premier, c'était le problème sécheresse. Deuxième, le problème rongeur. Troisième, c'était le problème semences. Et le quatrième, c'était le problème administration de l'ODVA qui est déjà en cours pour que l'exécutif soit capable de résoudre le problème. Ça. Là, nous regardons au niveau du problème sécheresse. Là, et qui ça qui gagne, c'est que nous avons passé environ 22 jours. En devant aller l'Artibonite, tu as besoin de l'eau.
Et qui cause, c'est parce que il y a une mauvaise gestion de barrages de Pelly, il y a une incapacité de stockage. Nous connaissons ça très bien au niveau des barrages de Pelly. Mais par rapport, ensemble avec le terre qui fait durer dans la saison sèche, l'autre quantité de terre qu'on fait, patates, pois, maïs et l'autre culture, qui est moins exigeant d'eau. Mais par rapport à caravane, eh bien, ils viennent cultiver plus du riz. Nous venons sortir de 12 000 hectares, nous tombons dans 24 000 hectares qui viennent faire du riz. Donc là, ça a nous besoin plus d'eau. Et capacité pélig pour te stocker de l'eau dans la saison pluvieuse là, pour être capable d'alimenter les valeurs dans la saison sèche là, ils viennent parler de l'eau. Et c'est ça cause que eh bien, du riz mounio boulé, du mounio perdu. En termes de recommandation, nous demandons avec le gouvernement pour regarder les paysans qui perdent du riz en premier lieu. Et en deuxième lieu, nous demandons ensemble avec le président qui a pile volonté pour le secteur agricole pour que l'État capable venir avec le projet Artibonite 4C. Nous avons commission pour convoquer le ministre de l'Agriculture pour être capable de venir pour responsabilité dans le pays. Nous avons un pays côté que. C'est agriculture, nous avons plus de 80% de monde qui pratique avant la séance de la France là-dedans. Est-ce que tout le temps nous carrétons sous compte blanc pour ces domaines qui nous manger tout le temps pour nous gagner jeunes qui prennent le Chili, pour nous gagner jeunes qui prennent le Brésil, pour nous gagner jeunes qui prennent la République Dominicaine, elle est tout le temps nous carrétons comme ça. Mais, ministère, ministre de l'Agriculture particulièrement, il ne faut pas responsabilité. Il faut pas avoir le contrôle tout ce qui a passé sur le plan agricole. C'est le rôle du ministère, ça. C'est passé blanc. Moi, ça, indien. Pour... Le correspondant sera adressé à président chambre de députés, Gary Baudot, pour être capable de faire une séance de débat public à la chambre des députés concernant la conjoncture actuelle du pays. Donc, nous remarquons, suivant par le standard de son standard de travail, que la presse a bien droit pour gagner, qui fait l'état des lieux de la situation actuelle du pays. Côté nous soulever la donne, l'ensemble des crises institutionnelles, ensemble situation chaotique que le pays a connu depuis deux jours que l'a traversé, pour qu'il y ait un débat fait spécialement sur la situation pays. La chambre des députés, peut-être que le grand public est capable d'inviter, de manière à ce que nous sommes capables de prendre une décision, nous comme parlementaires, par rapport à l'avenir politique du pays et le développement du pays. Je dis pas ignorer que nous frapper en plein visage avec les questions de corruption et au point que la question du rapport Petro-Caribé, je dis n'importe même qui cité, c'est un peu son monde mal vu. Et nous avons les crises institutionnelles, par exemple, qui existent, la police, et crise éducative. Je dis à nos élèves, encore dans la rue, qui apprennent gaz à premier jeune, nous avons des élèves qui sont dans la rue, qui apprennent cours, qui sont blessés, qui sont l'hôpital, toujours la même question prise-là. Nous avons la sécurité interne du pays qui échappe avec dirigeants, notamment les incendies des marchés en cascade dans des métaux. Nous avons au bon projet qu'il a sur le projet sur la loi de finances 17-18 côté que j'aime tous nos projets là, mais regardez dans tout le pays, on va un côté que un projet a exécuté, sinon ça fait ici caravane changement. Et qui le projet ça y est, mais déjà dans le deuxième trimestre année fiscale là, et que beaucoup de tout côté pour faire projet. Pour le projet. Donc là, c'est des situations qui ont été appelées. Nous. Depuis fin d'année, EDH a lancé un programme d'éducation, de calendrier pour l'année 2018 là, que EDH mettait dehors. Je vais présenter d'abord le calendrier. Ça. Il fait en deux parties. Partie en l'air, là, pour éduquer, pour faire promotion pour bon gens, comportement, clients, population, communauté. Partie en bas, que nous avons là, eh bien, c'est mauvais comportement que nous méritons banni. Qui adhérer avec bon comportement pour diminuer quand.
si on est là, il y a un cycle. Qui est ce cycle-là? D'abord, il faut qu'on produise courant. Pour produire, il faut acheter gaz ou bien il faut acheter un gros. Après ça, il faut transporter le courant qui veut consommer. Et finalement, ça, le plus important, c'est le paiement, facture. Pour que les DH gagnent moyen, pour réacheter gaz encore, ou pour payer le producteur privé. Dans ce sens-là, EDH développe des stratégies de communication pour capable d'une part éduquer et faire promotion de bon genre comportement. Il y a des résultats que nous commençons à jouer. Nous allons dire de toi là. Pour zone métropolitaine. En novembre 2017, c'est 319 millions, ça 305 millions. En janvier, il est passé à 316 millions. Le nombre des historiques pour cette EDHO était toujours autour, pour zone métropolitaine, de 250-260 millions. Le statut a augmenté parce que plus nous collaborer, comprendre que paiement facture, c'est un geste, c'est un comportement qui est important. Cependant, nous avons donné des chiffres toujours pour montrer côté il y a effort, un peu d'effort pour faire encore. Non seulement bon côté IDH, mais surtout bon côté population. Exemple, agence de Pétionville. PDH facturé 45 000 clients. C'est seulement 8 154 qui comptent côté adresse agence EDH. Ma prépète chiffre encore, EDH facturé 45, préparé 45 factures, 45 000, pardon. C'est seulement 8 154 personnes qui viennent payer. Pour l'agence de Port-au-Prince, EDH préparé 29 432 factures. C'est seulement 5 800 personnes qui viennent payer. Pour Delma, EDH préparé et livré 29 734 facture, c'est seulement 7 885 qui viennent payer. Journée de réflexion. Sous question violence en tant que femme, ça concerne, en tant que citoyen haïtien, ça encore concerne, et en tant que sénateur de République d'Haïti, ça triplement concerne. Et c'est la raison pour laquelle que depuis moi, et c'est dans ce sens ça que toutes 28, d'accord, toutes 27 sénateurs garçons, rejoignent à moi-même pour être capable de signer une déclaration d'acte d'engagement sous question violence qu'a fait sous femme actifi et déclaration ça a plusieurs points là-dedans et m'te gain plaisir aujourd'hui hein, pour que m'te capable et officiellement parler de ça et montrer signature de 27 collègues ça 28 collègues ça en fait 27 collègues plus moi-même fait 28 et pour nous capable bataille sous question violence qu'a fait sous femme. Naturellement société en composée de femmes et de garçons pas ta supposé gagner problème ça. Mais c'est dommage que depuis culturellement problématique femme et garçon ont posé et yo fait garçon comprendre que le supérieur à femme et puis yo vinn faire femme constitutionnelle naturel parce que depuis le monde Dieu t'a créé monde, il t'a fini créer garçon
Et il y a dormi garçon dans le côté garçon à côté plus sensible pour prendre femme. Donc, femme et garçon liés et complémentaires et ils doivent marcher ensemble. Défi n'est pas pour le mouvement, femme, non. Défi n'est pas pour la société haïtienne, non. Parce que les petites filles avec femme victime de violence, ce n'est pas même organisation victime de violence. Seulement n'importe qui est capable victime de violence. Gros défi, c'est que vraiment, il veut faire comprendre la société ça. Comment question violence spécifique qu'a fait sous femme, son maladie, son malheur lié pour la société, hein? Comment son bail qui est destructeur pour nous et pour l'entourage. Parce que là, nous avons formé un petit monde victime de cas de Jacques et puis il vit enceinte. Ce n'est pas un petit monde seulement qui subit. Chacun, mes frères, il est là pour tout le monde. Cela dit, qu'il y a un cadre de travail qu'a fait depuis 1986. Féministes haïtiennes reprennent flambeau, bataille contre violence sous femme. Nous en 2018, c'est clair qu'il y a des avancées qui fait. Mais quand pile blocage, et une principale blocage, c'est que au niveau même de l'autorité haïtienne, qui passe dans le plan national qui existait, ça fait troisième qui existait la dernière, les supérieurs 2017-2027, et les bails en série de lignes directrices. Et c'est exécutif l'axienne, donc son bail qui a force légale. Mais toute institution n'a pas senti que l'État c'est affaire absence de continuité de l'État. Ça veut dire, où travaille, par exemple, avec des parlementaires, là, nous, la sénatrice Dieudonné Nima, gampile et folle à faire, mais où pas de garantie que ça qui fin travail, qui fin établi pendant là, que prochain monde qui va venir et continuer, il doit mettre sous côté, fait comme s'il n'a jamais existé. Donc, un gros problème de suivi qui est réel. Quand il y a là tout, l'autre gros problème, c'est le problème de service pour les gens qui sont victimes. Pas de assez service. L'organisation n'a pas de compte offre l'estomac pour offrir service à toute population. Or, ça nous constate, c'est que l'énergie, l'argent, limité sous visibilité. Visibilité, c'est faire activité, ou comprendre, ou faire des bars artistiques, ou faire moun chanter, ou faire maillot. Mais cependant, là, fin fait campagne, là, moun ka arrive, côté pour l'aller. Faut qu'il joue un côté pour l'aller, un côté qu'occuper, qui bat le soin que le mérite. Soin, c'est soin médical, et nous connaît très bien, c'est pas dans le système public, là, malheureusement, comment nous ka joindre. Et les soins. Donc, ça m'a demandé des moyens, et dernier bas, c'est vraiment en termes de mentalité. Vraiment, afin que nous n'ayons une société que de monde croit que nous avons droit pour écraser l'autre là. Ça, c'est vraiment un gros problème que lié, parce que ou pas d'accord avec le monde, ou bien pas aimer ça, il fait. Ok, ça pas qu'à justifier qu'on ait une violence dans le pays d'Haïti à faire pour qu'à présenter bilan yo en même temps pour qu'à présenter perspective yo. En fait, on pour elle pendant l'activité a gagné plusieurs actrices, plusieurs acteurs qui sont parlés et après elle gagne un atelier et de atelier a après elle sorti yon résolution. Ok, donc ensemble de partenaires ça yo qui travaillent dans la question de violence non c'est Moufed, c'est Femmes en démocratie, c'est centre de promotion pour les femmes ouvrières et puis nous gagnons la donne de Moufed et comme on connaît généralement ministère conditions femmes droit femmes toute organisation ça concertation nationale j'avais oublié que toute organisation ça qui travaille dans la question de violence c'est ou bien qui travaille sur l'autre secteur tout c'est bras armés ministère là que yoyé yo pas cap travailler sans ministère là donc yo organiser activité hein, en collaboration avec ministère à la condition féminine et c'est USAID qui supporte nous dans activité hein. Et généralement nous cap dit que ministère condition femme ak droit femme par rapport à violence c'est pour parler violence ministère là toujours présent parce que en fait nous connaît ministère là c'est lui même qui a fait promotion pour respecter droit femme ak droit fille. Dans question violence ministère a un paquet activité un paquet bagarre un paquet progrès que il déjà fait par exemple nous gagnons et décret et de 6 juillet 2005 qu'il a adopté qui condamnait question de violence sous forme que le considérer comme un crime nous gagnons tout et par exemple le plan d'action de lutte nous sommes élaborons un troisième plan d'action de lutte qui est basé sur 10 ans c'est de 2007 jusqu'à 2027 et puis en même temps le ministère a gagné dans le département de l'Artibonite
li gagne une maison d'hébergement li inauguré depuis l'année dernière pour les femmes agressées, les femmes qui subissent les violences dans le département de l'Artibonite. Nous jeunes dans Saint-Michel de l'Atalaye et puis l'autre là c'est Saint-Michel de l'Atalaye en fait oublier qui côté l'autre là pour donc accompagner les femmes qui subissent violence et ensuite nous gagne dans Merger un autre espace qui déjà là pour le ministère à côté que nous pourrons faire une autre construction pour nous cap héberger toute femme qui subit violence. Ça vous mettez dans la place, il faut l'aider à garder l'œil. Et c'est dans ce sens ça moi-même, je dis, je prends la parole pour les femmes provinces, malheureuses dans le Nord-Ouest, pour sensibiliser toutes les femmes haïtiennes et toutes les femmes digitales là, dans le salon, là, pour garder tout. Parce que sans garder tout, nous pensons que nous sommes à la base de l'école, pour les que vraiment, fille à ce moment, c'est seul. C'est la demande, c'est ménage. Et je dis à nous, responsabilité, nous ça, pour nous supporter le travail avec, quel que soit ça, la vente de de façon à ce que les bons résultats qui valent. Et bon, nous pensons que les filles, ils n'ont pas plus de rappel, et l'État, tout le monde, le pays, de façon à ce que les filles, pour encadrer, pour jouer, pour pas mettre dans le rôle que tu as supposé jouer. Parce que regardez, on nous dit que 52% de nos sociétés les plus forts, la majorité disons. Si dans l'espace, nous avons la majorité ça, il y a eu investi dans cet espace, c'est sûr que nous pensons que les gens qui marchent mieux, qui marchent mieux dans le pays. Donc on a même sur le sens là. Je viens sensibiliser une parole avec nous de l'expérience en tant que femme province. Et en tant que femme province, et je dis, dans toute la réalité de l'affaire, où tu arrives, il y a des côtés de penser, imaginer où tu arrives. Parce que je suis fière que maman, c'est mon paysan. Et je dis, elle fait plus d'efforts avec elle jusqu'à ce que moi-même, où tu arrives dans l'espace-là. Pour parler de l'expérience, nous sommes mauvaises. Question entrepreneuriale, il demande une formation, et pas forcément une formation universitaire, information tout, qui est capable de permettre de qui la question entrepreneuriale parce que son culture, et culture ça progresse. C'est ça qui fait l'exposer que nous faisons en forme de plaidoirie en faveur de la République d'entrepreneuriat. Parce que tout simplement, n'a pas que PLM, c'est vrai que il y a des problèmes, mais si nous sommes capables de sensibiliser et faire que ce soit un groupe d'organisation, plusieurs mouvements entre la logique entrepreneuriale, la permet pays un produit intérieur brut augmenter, la permet tout que nous sommes capables de fonctionner socialement, financièrement et autres, mais l'État ne veut pas lui pour jouer. C'est ça que fait dans la société capitaliste, ça a les fonctions régaliennes. Fonctionnaire galérien qui s'allie sur l'ensemble d'infrastructures. L'État là pour poser, mettre des infrastructures. Il est là pour inciter l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas qu'à mettre tout le job. Donc, s'il n'y a pas qu'à mettre tout le job, il a créé des conditions pour les gens qui sont intéressés pour entrer dans le schéma ça et vivre vers la production, que ce soit un bien, un service, et bien ça, mais là, le tout, que par exemple, par rapport à ça. Donc, il faut que nous bataillons. Dans le niveau sur le civil, il faut que nous battions au niveau parti politique et autres pour être capable d'exiger l'État, pour être capable de mettre des infrastructures, pour être capable de respecter les fonctions régaliennes, qui sont les fonctions qui garantissent par l'article 19 de la Constitution amendée du 9 juillet 2011. Et bien ça, le monde pourra faire business, la plus facile pour être capable de faire business parce que l'État a besoin d'une infrastructure. Pour illustrer ça, nous prenons par exemple l'image de Barbune qui sont restaurants. Mais je dis là,
si on veut inciter une masse et une autre entreprise qui dans le secteur d'activité au terme de restauration, on est capable de garantir que ce point est on est garanti que le monde est nous, pour le client à venir, pour machine pas craser. Donc c'est ça nous mener les fonctions régalières de l'État, que nous sommes plaidoires pour lui. L'État, c'est Wolpal, mais pendant que c'est Wolpal, il faut sensibiliser, informer différentes populations, l'opinion publique, pour nous comprendre qui gens pour la compter du 6 et qui gens pour la compter le ministère en vie. Pendant mais même que dans ça tout, nous te faisons plaidoirie parce que par assurance, on ne peut pas faire une musique là, Josien, pour que les pyromanes soient basés fantaisistes ou politiques, nous décidons de nous faire là-dedans, donc ils sont violation flagrante de droits humains, et que par quelqu'un qui a accepté, et nous passibilisons tout pour que chez Massao, nous fassions dans les lieux. Et un cours mobile de technique agricole. Cours mobile de technique agricole, ça, hein, c'est pour nous capables d'aider les populations qui sont là, et particulièrement 40 jeunes qui sont. Et en même temps, il y a un plus gros rendement à l'hectare pour être capable de vivre mieux de l'agriculture. Et ça fait dans le cadre de formation mobile, comme dit, que INFP lancé avec APF qui c'est un groupe belge qui a bail assistance à INFP. Ainsi, nous gagnons l'autre couteau que nous gagnons dans la formation mobile, quand pour cosmétologie, quand pour construction bâtiment, quand pour cuisine et pâtisserie. Mais comme ici de Kinskoff, c'est là que culture maraîchère là et puis important dans le pays. Hein? Donc, nous venons travailler avec nous ici dans Kinskoff pour relancer la culture maraîchère là et permettre de prendre l'autre extension dans le pays. Ça peut durer 2 mois, mais après 2 mois, ça, nous sommes capables de prendre l'autre contingent. Mais c'est à chaque fois où gagne un contingent. Et puis, si on a 3 mois en même temps, il n'est pas capable de bien appréhender travail qu'a fait là et transmission de connaissances là. Donc nous gagnons à peu près 2 agronomes qui pral encadrer et 40 jeunes ça yo parce que nous pas faire un pile cours théorique, ça à peu près 30% théorie, 70% pratique. Donc il faut que gagne monde qui proche et de apprenant yo pour yo capable bien appréhender et formation ça qu'a bail là. Alors dis-nous après formation l'autre assistance nous compte bailler ça. Bon, premier bagage c'est que après cours formation ça qu'on nous dit qu'a durer 2 mois. Alors c'est à 2 sessions de formation de 25 jours. Et pour aller en tout un cours qui est l'entrepreneuriat. Côté que yo va capable apprendre comment pour monde faire business par tête yo, par propre pouvoir. Parce que faut nous dire que ce n'est pas seulement question de job pour nous chercher dans le pays. Dans tout pays qui est développé, c'est petites entreprises, même individuelles, qui permettent que le pays a développé. Ainsi, avec cours d'entrepreneuriat, ça a que vous pouvez gagner, vous pouvez être capable mieux même de mettre tête sur le marché du travail. Et vous pouvez gagner ces qualités d'assistance que vous avez gagné jusqu'à ce que vous soyez capable d'implanter. Et tout ça que vous apprenez dans la population. Vous sortez dans toutes les 5 sections communales qui ont tout. Donc ça veut dire que vous allez gagner à peu près 8 jeunes, puisque vous avez une formation en technique agricole, qui sont capable même tout apprendre l'autre monde dans la zone yon, comment et mieux utiliser le sol. Et nous profiter de l'occasion ça pour nous remercier INFP et qui. Côté mairie, on a fait 2 modes pour venir faire formation professionnelle pour quelques jeunes. Nous connaissons qu'est-ce qu'on veut avec
toute qualité problème que nous avons, pas de centre de formation professionnelle. C'est vrai que nous avons une qui est en construction, mais si ça prend 5-6 mois, mais nous profiter de l'occasion, la mairie a fait demande à l'INFP pour venir faire une formation mobile pour les jeunes. Mais nous avons des 3 disciplines, et technique agricole, transformation produits agricoles, et en cours de pour montrer faire installation panneaux solaires, etc. Et c'est toi, mais INFP répond nous, et nous, technique agricole, là, nous remercions avec support coopération belge et dans le programme ça qui c'est pas Serge. Nous avons un très jeune qui parle de formation pendant 2 mois, technique agricole, et que nous, jeunes là, et agronomes sont venus, tout matériel là, ils parlent de formation, mais c'est son bénéfice pour la communauté, pour la commune. Keskov, c'est une commune qui fait partie du pays dans l'ouest, environ 20 km de Port-au-Prince. Et que nous connaissons Keskov, c'est une zone purement agricole, nous produit, et c'est produit maraîcher. Presque toute l'ouest là, avec un paquet de l'autre département, c'est nous-mêmes qui baillons les légumes. Mais c'est pas nous qui avons fait le ministre de l'Agriculture qui connaît ça. Connaît ça, c'est obligation. Bon, il n'est pas présent. Nous-mêmes, au niveau de mairie, nous faisons pile de marches. Et au niveau du ministère de l'Agriculture pour venir supporter, il n'est pas venu. Magistration deal, nous écrit, nous faisons deux modes. Vous regardez, nous avons un bac là, presque fermé, pas existé. Ou par contre, qui est-ce qui a agronome, qui est-ce qui a fait qui, rien. Et d'ailleurs, là, qu'est-ce qu'on a supposé un annexe ministère de l'Agriculture, comme une zone purement agricole. Et produit, qu'est-ce qu'on fait arriver loin. Je dis, heureusement, nous avons INFP et KPD nous qui viennent supporter les jeunes dans la formation. Et nous avons gardé pour nous, nous avons tout profité, demandé à mode national et international, organisation pour venir supporter les mairies, venir supporter les jeunes. Après formation, nous avons besoin d'encadrer, nous n'avons pas besoin juste former et puis pour arrêter comme ça. Des possibilités, faciliter l'entrepreneuriat, Jean-Monsieur Harry Toussaint dit, produire, il parle fin formation, ça parle faciliter que nous produisons plus légumes dans la commune. Et l'un fin produit, faciliter que nous venons dans la market, faire transformation produit, encadrer, permettre que les jeunes aillent, il y a une section communale pour aider les paysans. Après là, les jeunes sont dans 5 sections communales. Nous gagnons chaque casek par 2 jeunes. Ça fait 10 et puis nous avons environ 10 organisations de base dans la commune qui sont en agriculture qui vont y représenter. Nous faisons nous décentraliser et formation la fait là dans la technique. Et FACAP, il peut utiliser le terrain qui est derrière avec, il peut le faire dans l'espace côté de construction pour l'école là. Parce que dans le paquet d'espace, et nous remercions et toute organisation Kazekyo et INFP, l'autre organisation avec 2 agronomes pour faire 2 mois sur terrain pour formation. C'est une formation qui a duré 25 jours. Donc, c'est pour la première phase. La centrée sur ce qu'on appelle la culture maraîchère, c'est-à-dire culture légumes. Donc, et nous avons pour nous faire pépinières, tomates, piments, poivrons, etc. Après, on a enchaîné avec la séance qui relève repiquage. Donc, on a montré le repiquage et on a montré de nouvelles techniques, comment que vous êtes capable de booster et production légumière là, dans la zone Keskov. Et pour eux-mêmes tout capable de capacité pour travailler non seulement à propre tête mais avec leur entreprise. Moi sorti dans section communale Bongar. Section ça il fait carottes, il fait tomates, il fait poivron, il fait poireaux en quantité. C'est Bongar Bello Fissi avec l'autre section autour qui baille en pile légumes maraîcher. Nous c'est première promotion qui fait partie formation agricole là. Nous rete croyons, nous t'attendons ça et nous avons besoin de ça. Et que nous rete croyons tout pour nous dire que nous sommes agriculteurs dans Keskov, agricultrices. Tout le monde qui réunit là, nous croyons dans la terre et nous croyons à la terre qui remet. Alors, à l'aide de la terre, nous n'avons pas besoin d'aller humilier nous dans le pays voisin. Nous sommes capables parce que Keskov, son côté, a produit en quantité, toutes sortes de qualités de légumes. Et puis, fuit tout. Mais c'est parce que nous n'avons pas d'encadrement. Et puis à cause élevage libre tout, je n'ai pas retourné à la terre. C'est ça qui rend que je ne vous dis hein, et que nous dit avec magistrat Nadal, avec magistrat Corélis, avec Kazek, Yotou, avec organisation de base telle que Soadec, qui est une grande organisation qui travaille dans Keskov, et qui surtout dans le domaine agricole, qui rend journée aujourd'hui à nous capables là pour nous bénéficier de séance de formation.
Là moi venu jodi an la faut me dire nous à mettre reprise que nous parler avec riverain dans zone là pour faire de l'eau ça yo effectivement à mettre reprise nous faire des rencontres nous en pour parler etc ni directeur général mairie OK jusqu'à présent toute démarche ça on fait elle était vaine et infructueuse qu'on a ça nous même nous fait nous tenter en action dans tribunal première instance de la Croix des Bouquets côté nous prend ordonnance qui permettent nous par exemple une fermer parce que nous sommes des légalistes. Effectivement, même penser que dans le jour, si par exemple, pas une décision qui t'a pris soit faire de l'eau, qu'on a nous-mêmes, nous pourrons prendre la décision qui s'impose. La décision qui s'impose, là, qu'on a nous prêts pour aller jusqu'au bout de conseil avec le DG, le directeur général de la mairie de Tabar, qui avait trouvé un modus operandi, avait dit qu'on a obligé de ouvrir de l'eau aujourd'hui. Là. Nous jouons un compromis. Mais promis, ça n'est pas le plus loin que par exemple en deux ou trois semaines. Pour nous jouer en tant que affaire de l'OSA. Provisoire. Directeur général mérite de tabac, il y a une volonté. Même penser que c'est responsable de l'OSA qui a une volonté pour résoudre le problème. Ça. Imaginez longtemps que je suis passé là, tu as un adoquin disparaît, complètement disparaît. Comprenez? Même penser que dans le jour là, si pas ta gagne entente, nous même nous pourrons aller jusqu'au bout. Nous avons tant action en justice et nous avons fermé de loi catégoriquement. Ok, monsieur. Pas aucune décision qui prend. Tant de monsieur a parlé, comme moi, pas reconnaître. Monsieur a parlé selon lui-même. Mais monsieur, ça n'a pas aucune capacité pour le fermer aucun de l'eau. Parce que de l'eau, c'est source de vie. Pays a une situation, pour ne pas de travail, pas de rien. Chaque monde a créé propre opportunité pour vivre. Et peut-être que nous avons plus ça fonctionner depuis bon bout de temps. Même après 6, 12 janvier, c'est plus ça qui alimentait toute Port-au-Prince net dans le service avec de l'eau. Et je dis là, il y a un problème dans la route là, on allait dans la mairie pour nous dire, ils ont mis un remblai dans la route là, ils ont remblai, pas de passage. Nous n'avons pas de matériel pour permettre que nous l'évitions. À chaque fois, la pluie tombe. Et pas aucune opportunité. Nous avons rempli ça nous-mêmes, nous avons rentré dans la caille pour plus. Et nous avons demandé pour le fait que nous payons taxes. Nous payons la mairie, nous payons des GI, nous payons tout ensemble des taxes, l'État recommande pour nous payer. Et nous faisons ça comme ça doit. Nous avons demandé pour mettre un matériel à disposition, nous avons une façon pour être capable de traiter ça là. Il n'y a pas de jambes. Vous êtes rentré là, vous venez mettre scellé. Pas aucun côté dans aucun pays qui a fonctionné. La loi dit obligatoirement qui ça on doit faire. Leur payer taxes avec l'État. Aucun monde pas prendre décision pour faire mes business pour non pendant la payer l'État taxe. Et c'est ça monsieur ça lui-même lui fait. Il vient là avec Simo, Itmo et puis quelques agents de la mairie lui dit lui faire mes business. C'est fait ça. C'était vendredi. Et c'était très tôt, nous allons dans la mairie, nous avec le directeur mairie, nous demander l'explication sur ça. Il fait nous connaître que il n'est pas au courant. Et nous avons un magistrat qui est dans la mairie, nous demander l'explication, il dit nous qu'il ne reconnaît pas comme ça, il ne pas comme ça. Et effectivement, nous disons, eh bien, qui est-ce que vous faites là? Nous-mêmes, nous prêts, oui, comme étant donné ce monde, nous sommes ici, nous vivons dans le pays, nous voulons demander l'explication. Comment monsieur a fait poser ses lèvres sous business, sous que nous payons patates, nous payons impôts, nous payons toutes taxes sur lui? Ils disent pas de comme ça. Et si ils pas de comme ça, ils disent nous allons faire business. Mais du fait que nous connaissons Haïti, c'est comme ça que nous faisons tractation pour faire une série de bagailles. Nous, pour juge de paix, nous faisons constater c'est les messieurs. Parce que le directeur mairie avec le magistrat, ils disent nous n'avons pas au courant devant le tribunal et tribunal première instance, quoi, des bouquets, pour demander lui est-ce qu'elle était par ordonnance pour monsieur ça, de mettre scellé sous business qui payait impôt et qui payait droit taxes qu'elle doit payer avec l'État. We'll be right back.
assez grande expérience de milieu économique là. Et c'est ça qui te permet nous, depuis que nous avons ouvert la banque là, en juillet 1993, nous avons pris la décision que nous avons ouvert le réseau national, nous avons ouvert le CAF. Effectivement, nous avons fait ouverture sur que ça va en lui. Et nous songeons, nous avons dit personnellement là à l'époque, et que Henri Christophe Téguin ou habitation de la Tunisie qui est dans un quartier mauvais. Et nous te disons, c'est ça qui slogan Unibank au Cap Tunisie. Qu'un des fort, qu'un des dur et bas mon service. Et nous pensons que nous réussissons. Nous pensons que nous réussissons avec le concours de la population du Cap et du Nord. Et Banque Lavigne aussi a un service à différents niveaux, que c'est dépôt. Année ça, on a fêté 1 million de clients dépôt. Et c'est pas une banque qui prime à niveau ça. Banque qui prime a 550 000 comptes dépôt. Nous presque deux fois plus déposants que banque numéro 2. Et nous avons un crédit. Et avec le crédit national qui est présent ici, nous faisons crédit à tout le monde des entrepreneurs, micro-entrepreneurs, petits, qui travaillent pour justement remettre les transferts qui sont de l'autre bord de l'eau, les habitants et au Cap et dans le Nord. Nous gagnons tout service groupe toi que nous ouvrons donc là, il y a 25 ans, 20 ans au Cap, 25 ans et en Haïti. Nous te dit que philosophie nous a axé sur buy moon bon service. Et c'est pour ça que le slogan de là, c'est faisons route ensemble. C'est même côté de Bralé, on fait route là ensemble. Et ce slogan, ça a que nous essayons de traduire dans le service que nous baillons. Et c'est avec ce slogan, ça a que nous voulons continuer, même si nous-mêmes nous ne pas entrer à temps, comme mon conseil, à bien les plus jeunes. Dans mon conseil. Mais nous voulons entrer dans le rap fait de 50 ans Unibank au Cap, continuer à bailler même qualité de service là, pour que tout le monde garde dit c'est même côté de garder en faire route là ensemble. Donc et je tenais vraiment à vous remercier d'être venu pour que ce message qu'on fait à la population et capoise soit bien entendu. Le faisons route ensemble de la Unibank, c'est une philosophie, c'est une approche et aux affaires. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça a été payant pour nous dans le sens qu'il y a 1 million de personnes qui sont nos clients en Haïti maintenant, 116 000 au Cap et dans le Nord, c'est beaucoup de gens. Et ensuite, on est en train de fêter le réseau national, le lancement du réseau national, parce que l'un des nouveaux succursales en février 1998, c'est lancé ou délancé le réseau national. Je dis à nous présents dans 16 villes du pays d'Haïti. Et d'en continuer à augmenter les services. Et dans le cas, dans le Nord, plus particulièrement, je me dis non, on a mettre l'imbé et 4 succursales au Cap, et on va ouvrir l'autre côté dans le Nord pour continuer à bailler. Même service que t'es habitué par être. C'est lancement officiel et génie interscolaire municipal de Carrefour. Ça fait quand même 19 mois depuis que nous avons travaillé avec Jeunesse Carrefour là. Ensemble d'associations, sont ensemble de projets éducatifs, tout ça. Et je dis, c'est avec Portail du Savoir que nous lançons officiellement la 5e édition Génie Interscolaire. Mais c'est la première édition Génie Interscolaire Municipal. Nous sommes obligés de municipaliser parce que nous pensons qu'on a une initiative que Jeune Sao a fait depuis 4 ans, de mériter la reconnaissance officielle de la ville. Ça fait Anessa, mairie de Carrefour, organisée avec Portail du Savoir. Eh bien, Génie Interscolaire Municipal, côté que il y a 16 équipes qui ont participé, nous avons sélectionné par rapport à toute l'école Carrefour. Donc, nous avons fait un événement qui a duré 3 ou 4 mois. Ça veut dire pour nous que Carrefour, c'est une ville qui a bougé. Carrefour, c'est une ville qui a
fait ça yo sous un ça moun pas vraiment voulu reconnaître Carrefour. Donc lorsque des personnalités aussi importantes et un ministre, une directrice générale de passion déjà après midi pour venir participer avec nous au lancement d'une initiative aussi importante, donc c'est déjà une reconnaissance de ce qu'a fait représenter dans le domaine ça dans le pays. Encore une fois, merci ministre, merci DG, merci à Portail du Savoir et nous entendre réaliser un événement flamand majeur. En tout cas, nous vraiment remercier tout le monde qui fait le déplacement ça et nous voulons dire que Villa, Anissa, sont amis deux projets pour nous dans la question éducation, dans la question culture, mais dans la question infrastructure, comme c'est de grands projets tout, de commencer Côte Plage 26 avec MTPTC, avec le gouvernement, nous allons continuer Paloma. Nous avons 10 000 mètres carrés de trottoirs et 10 000 mètres linéaires de caniveau que nous allons faire Carrefour. Avec le programme et président Jovenel, mettant en place avec la commune de l'Opitement, c'est caniveau trottoir contre le revêtement pour l'asphalte. Donc, notre travail pour Villa changer. Nous recevons Camille dans le Massif Adra, nous avons accompagné Genio. Voilà, c'est de la extraordinaire. En tout cas, merci. On toujours demandé mon Carrefour pour payer les taxes, pour nous aider à pérenniser, pour nous capables de donner l'autre Carrefour. Mairie Carrefour, avec Portail du Savoir, tracé un bel exemple, non seulement pour l'autre Carrefour, mais pour l'autre pays, tout, pour l'autre jeunesse. Nous, tout dans le pays, chaque jour, nous plaignons, moi-même personnellement, nous dénonçons une jeunesse qui est déboussolée, une jeunesse qui n'a pas de modèle, une jeunesse qui livre l'école, dans un sens de plaisir malsain, loisir malsain, l'anti-sourit. Nous dénonçons, mais je dis à la, nous avons une initiative pour des solutions. Initiative pour t'aider du savoir avec mairie de Carrefour, avec la personne de magistrat, bon, heureusement, son professeur y est tout. Parce que nous avons 17 ans de début de vous comprenez, l'éducation, ce n'est pas à faire un seul monde, ce n'est pas à faire un ministère lié, c'est à faire tout le monde. Et je dis, si nous voulons rêver en notre pays, il faut que nous rêvions en notre éducation, il faut que nous rêvions tout en notre jeunesse. En notre jeunesse, pendant qui ça? Il faut que nous encadrions la jeunesse. Je dis, c'est un génie interscolaire municipal qui lançait la ville Carrefour. Nous pensons que dans le pays, ça, si nous voulons vraiment changement pour les jeunes, bon encadrement, il faut que tout le monde rêve de énergie en synergie pour nous capables d'aider les jeunes. Et je dis à l'âme, ce deal d'aller à là, si à travers tout le pays, mettez de côté question politique, question appartenance, question classe, nous disons tous les Haïtiens, on nous bataille pour l'autre Haïti, si tout côté dans le pays, nous avons des magistrats, tant que magistrat Jude Edouard Pierre, avec l'organisation, tant que Portail du Savoir, tout côté d'un pays qui a fait un mouvement comme ça, eh bien nous avons donné qu'imposé pour nous dire finalement nous parlerons l'autre Haïti parce que nous travaillons pour l'autre jeunesse. Portail du Savoir ensemble pour une nouvelle orientation de la jeunesse haïtienne. Donc c'est ça. Nous-mêmes, nous sommes jeunes, nous gagnons des potentiels, grâce à Dieu. Nous estimons que entourage nous, jeunes YouTube, va gagner des encadrements. Nous-mêmes, nous mettons tête nous ensemble, nous soutenons divers horizons, nous gagnons plusieurs compétences dans le temps. Nous décidons nous-mêmes encadrer les jeunes, offrir aux jeunes et les ministres de là, une ambiance qui saine. Donc c'est dans la perspective ça, que nous-mêmes nous venons avec l'initiative ça, que nous avons fait depuis 4 ans déjà. Année ça là, c'est 4e édition. Quatrième édition, nous faisons avec la mairie de Carrefour, et ça fait baptiser génie interscolaire municipal de Carrefour.